mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour vous présenter encore un nouveau numéro sur qui nous allons parler avec un ton de mélancolique, avec un ton de colère, avec un ton de découragement en ce qui se passe en République démocratique du Congo, notre pays. Bandekoza, moi pas si tozo ça l'émission oyo na kanda eza kanda pe kutu te za ba regret belé que non pourquoi nous sommes comme ça nous congolais nini likamunini ango to salam na mboka na biso surtout nous qui venons de l'est de la République démocratique du Congo. Et je crois que vous aviez compris que tozo lobela lelo likambo état de siège. Ce qui se passe en République démocratique du Congo à l'Est, c'est inacceptable et inadmissible. Et ça passe, et ça mawa. N'importe ce qui va pas comprendre en haut. Qu'un gouvernement en place est banakoko sabino boy directement. Nous ne savons pas maintenant qu'est-ce qui se passe, qui dirige le Congo. Et ça gouvernement est ça malokonde ou bien est ça président de la République. Bandeko, nous allons parler un peu tokokota pensant à Mozindo un peu sur l'Ikamwango parce que finalement, espoir au peuple congolais, au tchè la armée, On nous a fait convaincre, on nous a convaincu, on nous a parlé que nos armées, Kosala, Moussala, on a décrété l'état de siège. Nous avions décrié que Makambo est à Malamouté. Mais l'armée continue à affirmer que nos Makambo est bien, Makambo est bien, Bazo Sala, Moussala, Nabango. Et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que Koko se bimi na poisa. Mentir, tire okoma mkolomoko, bokomi kokosa. Et c'est comme ça. Qui est pris de court avec ce mensonge? C'est le gouvernement ou c'est le président de la République? Quand le président de la République signe un document, ayebisaka gouvernement na été. Le gouvernement vient sur un plateau de télévision donc, démentir l'Ikambo au président de la République à l'Obi. Et à signer comme accord international. Et le même président qui ne consulte même pas le Parlement. Est-ce que Kobenga Batu? Est-ce que qu'on informe le parlementaire? C'est pour cela que nous nous sommes dit l'Ikambo est une dictature. Et ça, c'est vous allez voir un bosso. Président de la République. On nous a imposé une certaine dictature. Nous allons parler de ça vraiment dans Katia émission Oyalelo. Mais tolo belana nous likambuya. Tozo plutôt grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur internet et puis. Totala, tous on a prêt pour développer si j'ai parce que l'air est trop grave. L'armée ougandaise est sur le territoire congolais. On se retrouve tout de suite après la lecture des grands titres des journaux qui paraissent ce matin sur internet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, réduction de train de vie des institutions, l'ODEP sur les traces de Jean-Marc Kabound. Et puis RDC toujours, Kasaï Oriental, le projet dédié budgétaire 2022 déposé à l'Assemblée provinciale. On va sur actualité.cd. RDC EPST, l'opération de nettoyage de fichiers de paie des enseignants a permis de dégager une enveloppe qui a pris en charge le NU de la maternelle sur l'ensemble de la République. Opération contre les ADF, les soldats ougandais se déploient dans l'est de la RDC. Congo profond. 57 ans après sa mort, la voix de la sœur Anwarite Nekambeta résonne encore. Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Et puis, Hold Up, Congo Hold Up, ma
réaction face aux insinuations sibyllines sur le ministre Guy Luando. Et puis l'armée ougandaise confirme avoir atteint avec précision les ADF dans l'est de la RDC. On va sur 7 sur 7. Ici à Beni, 3 ADF tués à Rwenzori. Affaire Bukangalonzo, je suis devenu prisonnier politique dans mon propre pays. On termine par Radio Okapi. Sud à Sud Kivu, près de 20 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Goma, les enseignants de plus de 20 écoles de secteur public reprennent la grève. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, à Kinshasa, on est en train toujours de s'embrouiller avec l'actualité président Kéi Naé, tout ça. L'armée est venue, gouvernement y est. Donc ça, c'est le fait, c'est quoi? C'est que nous allons parler ici. Oui, Pessibiso Kandezali, que le gouvernement vient avec une position. Tout le monde, Toyoka qui déjà avant-hier, par le média étranger, toujours comme d'habitude, ba pesi information, ba lobi bandeko, ba congolais, président Nabino a signé na Ryokani na Ougandé, na homologue na Ougandé, que non ba troupe ougandaise et kota na République démocratique du Congo. Bandeko, président a signé loko wana, je ne sais pas si le gouvernement a pris le temps. Il y a tout le président de la République, ceux qui m'ont dit, ils se sont précipités à la télévision à démentir cette histoire-là. Il y a un peu non, ils ont accord, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, nous tous nous avions suivi. Et puis ça nous a quand même essayé rassuré parce que nous avons fait les armées qui nous ont martyrisés, c'est comme si le bourreau qui rentre, na place à Boma qui bato aye li sousou sikoyo aye ko koma yende mutoza ko amene pe et pe sakaka ndezo pe sakanda connaissant cette armée qui nous a martyrisé et qui continue à faire ces histoires ici yamone mutozo pe sabiso kanda et nous n'avions pas accepté ça, nous n'avions pas ça, nous avions besoin et à ce que mboka na biso to s'assumer. Mais malheureusement, nous n'avons que des aventuriers, excusez-moi le terme. En commençant par le président de la République lui-même, c'est un aventurier. Bato bakanisi ke kosoko na kolobaka ke non état de siège en okene na ngonde. On ne prend pas l'ampleur de la République démocratique du Congo. Tozana batou, nous ne connaissons pas comment est-ce que nous devons diriger ce pays. Tozana batou. Le pays a le malheur d'avoir à la tête de ce pays des gens qui. Des novices, bateau bazo ya koye kola. Allons-nous encore prendre 17 ans, 18 ans pour que tout se relève? Pour que Tshisekedi aille kola, ndengeni na koza la président? Ça, c'est une faute grave, et ça, elle a comme on a banzi que si nous étions vraiment avec dans un pays où il y avait une séparation de pouvoir. Déjà, la Cour constitutionnelle devrait se saisir dans le cas où il y a un président, président Azala. Congrès. Le Parlement devrait déjà se saisir. Il y a un congrès. Il faut traduire le président en justice parce que ça, c'est une trahison. L'armée congolaise est en train de nous rassurer que non, bah makambozo kende bien babilo kwana, bah kalate bah makambwane kosi la, bah zako foudroyé bah toana bah zui bah village bah saliboye. Mais qu'est-ce que la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que l'armée congolaise sait à qui il a affaire? Bazo bundana nani? Les ADF qu'on parle, tout fumolana nous parenthèse na ba ADF oyo. Bandeko, nous qui suivons l'actualité, nous avons vu que comment l'Ouganda est en train d'avancer le plan de la balkanisation de ce pays. Mboka oyo kozala balkanisé à l'avantage de qui? À l'avantage de l'Ouganda. L'Ouganda a Rwanda bazana na intérêt. Il y a qu'au dominé côté kuna bazala na côté kuna ba dominé et ça l'a pays mususu. Et si le Rwanda et l'Ouganda imposaient une paix
na population à est, nous sommes facilement tokokota, tozana chouate. Les Congolais sont des aventuriers. Ba Congolais tozaba aventuriers. Si les Luganda et les Rwanda assurent une paix, ba réorganiser côté kuna balobi bon OK, côté otoko, ils avaient déjà commencé ça. Imagine-toi que Burundi, par exemple, balobi ba kotonga pe ba balabala okota. Ils savent quelle est la solution pour que ba attire peuple na biso. Toko souffrir peut-être pendant un certain moment, mais nous allons comprendre que non, ba twakin kuna ba Congolais à côté kuna bazaki bazaba aventurier. Ce sont des aventuriers qui n'aiment pas ce pays. Parce que Rwanda, Uganda, na Burundi, ceux qui vont dominer, ceux qui vont s'assurer par organisation et qu'ils ont l'influence, il y a quoi, peu vraiment. Parce que quelque part, qu'est-ce qui va arriver? Je me tais ici, je me tais là-bas parce que nous avons des informations, na batu oyo, bazako ebisabiso. Je ne vous livrerai que ces informations-là au moment opportun. Mais je dis ceci, ce qui Burundi, Rwanda, na Uganda, va réussir à maîtriser la situation qu'on a bâti et paix. Bâti et paix, bâti et paix, bâti et paix, la population congolaise n'aura qu'à s'assumer. On va les chasser pendant qu'ils sont venus en armes. Ils nous mettront déjà là-bas et puis la balkanisation sera effective. Et qui sera à l'avantage de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda? Balkanisation, on a profité na Bango. Et puis le peuple qui se retrouvera dans ce territoire, peut-être, va respirer paix moko na organisation ya Banyarwanda, na ba Burundi, na Banane, na ba Ouganda, ko bongisa mboka. Parce que la richesse qui se trouve de ce côté-là, et qu'on kiko bongisa région ana mobimba, c'est ça la raison économique oyo Rwanda na Burundi na Uganda bazana ango pour que paix ezala kuna. Les minéraux qui se trouvent là, ça peut développer le pays à grands pas. Bota la kaka ndenge kamwa Rwanda et se développer kina. Kagame a totalement raison. Azo profiter de la situation alors. La balkanisation ya mboka oyo ya Congo oyo et kozala na avantage ya ba pays wana. Kit avantage ya ba peuple ba respirer pe wana maloba. OK. Tozala ki na ba aventurier ba Congolais ba Tshisekedi ba nani suko ba Kabila ba nani tout ça, ils n'ont pas pu nous construire des routes. Les Ougandais ont commencé, ils ont commencé. Bazo mona balobi, mais soki to tira balabala, soki to bandi ko tia ba biloko, les gens vont se développer. Biloko wana nyoso soki to tie ordre kuna pays wana koki ko se développer, et les Rwandais, les Tutsi vont prendre cette histoire là et kozala empire na bango, et le Congolais sera prédominé. Oyo tozo vivre awo eza koteka, eza boteke ya mboka. Tshisekedi ateki mboka bandeko. Tshisekedi a vendu le pays. Qu'est-ce que nous allons devenir? Le Congolais maintenant, nous allons choisir d'aller à l'ouest où il y a des aventuriers ou bien de rester dans un espace où nous pouvons quand même nous retrouver, que non, baba là-bas les autres ont amalété ça ko sala ba makamunango. Où nous allons choisir? Mais sachez que toko vivre sous botte ya mutusi. Il y a Rwandais, vivre sous botte na bango. Et nous avons déjà vu que les Ougandais, Batouana, auteur et à balkanisation, ils ont maintenant séduit même les députés qui commencent à déclarer ouvertement et qui ont commencé même à Bazoko, sa président, Balobité, signé Kaka, peuple nani, armée ougandaise et Kota, parce que FARDC, ils ont kokaté. Et puis, nous parlons clairement. Le FARDC est en train de nous mentir. Mensonge au FARDC à sa koloba mikolonyo soke no. To beti, to salibo, to récupérer ma village. Bo. Ils vont récupérer ce village-là pendant combien de temps? Bandeko, j'ai toujours dit que le problème de ce pays, problème à Mboka Oyo, et ça problème administratif. Et j'ai dit, j'avais toujours dit, que eloko oyo eko simba kate tant que problème to résoudre en go globalement.
La solution doit être globale. Maintenant, nous sommes déjà, pour franchir déjà pas Moussousou. Parce qu'à cette allure, l'Ouganda va dire que non, bah, ADF, Bazakaka. Pendant qu'il n'y avait que deux bombes, qui dit que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont commandité cette histoire-là? Il y a Kolobano, ADF, Ndemoutou, va bombarder au côté de l'Ouganda. ADF, Bazalaka, Soussouté. Est-ce que l'armée congolaise avait déjà confirmé que notre Zana, Tokangi, ADF, Baza, autant, Baza, Batoura, et Ouganda? Ont-ils vraiment précisé que non, Tokanga ba Ougandais, ah, on est Moutouaza, Kosala, Biso, Bazako Boma, ba Congolais? Ont-ils déjà confirmé ça? Parce que Bato Bazako Boma, Biso, Baoba Kangami, on ne les juge pas, on ne sait même pas leurs identités. Le phare de C ne nous a jamais donné quoi. Nous avions dit que Makambu, oh, Ezako le Kanakunakunana Est, Ezaba phare de C. Et la solution avait même été donnée. Topesaka solution, la population avait donné une solution au président de la République. Qui sait, il y a beaucoup à Zombo et à l'obité, et quand il arrive là, il trouve que non, l'armée est en train de le mentir. Yamwana Sikoyo, nous nous posons la question. Bah, Congolais, tous se posaient question. Nani ne m'toazo kosabatu? Qui ment? Et situation où est-ce qu'on avantage banani? Les généraux qui sont là se sont enrichis ba to yebi makambo yebani. Makambo yebani comment ba trafic ya ba minere ba tunini baza ko sala nini kuna makambo ngo yebani. Mais comme le président n'est pas capable à maîtriser armée wa net to bité so ka za ko banga ou bien aza ko subir kaka le même plan autant ou tolobaka. Tolobaka liboso eloko oyo, tolobi que non, Tshisekedi aza déjà na botte, ya ba ennemi ya Congo. Il ne pourra jamais faire, il n'y aura pas de changement. Plan ya balkanisation eza en marche. Alors, awa tokoti lisusu en tout cas, nous vous avions dit que non, ba lampion nyonso eza ki déjà à Kopela. Mais maintenant, il a fallu qu'il y ait un traître aussi à la tête de la République démocratique du Congo qui ne pourra pas atia ba changement, atia ba changement ou bien ba. Ba réforme na kati armé pour que toza la na armé moko oye koki ko faire face na likambo toza na moko ya. Armée ou pour défendre l'intégrité territoriale Nabiso, il n'en a pas le moyen. Ou soit s'il a le moyen, mais il est dans le chemin des balkanisateurs à Congo. Azana Katia chemin à Bango. Or, le peuple congolais n'est pas pour cette balkanisation. Il y sera obligé d'être balkanisé sans, avec appui à Nani Tshisekedi. C'est comme ça que nous disons, Ezama wa trop que non. Balkanisation au moment où Tshisekedi est au pouvoir. Le fils de celui qui a lutté pendant 37 ans, pendant 40 ans, pour la dictature. Mais il y a quoi qui a imposé la dictature au moment où la balkanisation en moka. Et c'est ça justement le malheur. Le malheur est à Congo et à Angola pour vivre les lots. Malheur est à Angola. Toza komona armée mobimba yo président au consulter attaque parlementaire
Tu n'as même pas donné, par exemple, état général, il y a nani olobité, armée na congrès, nanani na, disons, parlement na sénat, boye abandeko. Vous nous aviez dit que non, la mafie est la carte armée. Elle venait déclarer ça maintenant au Parlement, réuni en congrès, dans le Sénat, pour nous aider. Il faut tous battre nous sous ou bien nous aider. C'est ça justement le mode de la constitution. Tu sais que c'est la trahison. En principe, le Parlement et le Sénat devraient se réunir en congrès pour traduire le président de la République en justice. Il y a qu'au déchoir, parce que ça, c'est une trahison très, très grave. Mais bah, qu'on se réunisse pendant que Bango tout baza na botte na ye, c'est ça le problème. La Cour constitutionnelle est dans sa poche. Le Parlement est dans sa poche. Le Sénat est dans sa poche. Ndengeka omona akaba attitude. Le pouvoir est, nous sommes dans un pouvoir dictatorial. C'est comme cela yé moko zaka ko zo même ba décision ko loba non. To zo ba to signé ba contrat na Rwanda na Uganda tout ça sans que le Parlement ne le sache. Et maintenant là, nous commençons à regretter Kamere et tout ça donc. Le pays est parti bandeko. Tu continues, comme je le disais au début, que n'est pas auto franchir, tu continues sous la balkanisation en Mboka na biso. Mboka oyo eza ekozala balkanisé parce que je vous assure que tu kozala sous na ba élection te en 2023. Or, nous avions dit ceci. Président de la République, il était temps. Si vous suivez mes émissions, je crois il y a un mois passé, nous avions dit président de la République, Likambwa Est, Eza Likambwa Kosilisa, Namando Kite. Plus tu y mets l'armée dont tu n'as pas confiance, l'armée Oyo, Oyebi Ambo, Yomoko, que l'armée Oyo, Eza armée Moko républicaine, te. Mbongo, Oza Kope, Eza Ko servir, te, pour na Kobongisa armée. Bongisa nanu armée, cantonné armée wana, tika ba tuba se kom, ba. T'as la moyen de se protéger. Nous avions demandé à ce qu'il y ait création d'une police de proximité. Le garçon, le peuple à la base le réclamait depuis longtemps. Donc, comment est-ce qu'on a la situation Oyote? Bah, ADF, wana bazaba Congolais, ce ne sont pas des étrangers au bazo qui sont en Ouganda. Quel est le jour où nous avions vu que non, bah, FDLR, bah, qui a attaqué Rwanda? Bah, FDLR, bazala Kalisu Souté. C'est un problème interne que nous devions régler sur le plan administratif. La solution n'était qu'une solution administrative. Et la solution avait été réclamée lorsque les enfants de Beni vous appelaient pour venir bah, présenter la bah, solution. Tu n'avais pas voulu écouter. Tibalangi on a Kinshasa Balobi, solution est en bas au président de la République. C'est parce que tu étais dans le plan Yaba Balkanisateur et en bas au cannabiso. Tu ne pouvais pas donner une solution de changement. Le président Tshisekedi ne peut pas donner une solution de changement dans ce pays. Il est dans ce plan de la balkanisation de notre pays. C'est pour cela qu'on l'a assuré en disant que non, au Tchaka dictature, on va te rassurer à ce que tu sois réélu l'année prochaine. C'est pour cela tout. Babilo Kwana Nyoso, Ozako Salema, Oseni, Onini, tout ça. Bilo Kwana a préparé Bandeko. Nous avons tout ça. Bato Blanda Kabiso, tu peux savoir information, Mike, parce que. Nous invitons à ce que Batunyoso Bato ba pesa ba information baza la à inquiéter na terrain parce qu'ils sont sur le terrain et même à la présidence de la République Bato baza koyé ba ce que Tshisekedi est en train de faire, ils nous le disent en nous disant que 2023 okoko commenter sans que le pays soit balkanisé to okoma kuna te eza musika et les actes sont en train d'être posés maintenant et nous le vivons. Live, tous on vivrait en haut l'élo. Voilà ce qui nous arrive à cause d'un traître qui est à la tête de notre République. Et ce traître-là est en train de faire la même chose que Kabila faisait. Nous le disions que Kabila était dans le bord de ces histoires. Tokokomakati, jour Mbokanabiso Kokatana. Nous sommes sur le plan. Le plan est là. Alors, n'est-ce pas aussi l'émission avec des solutions?
Mais maintenant, en tout cas, et bah, calcul est comme compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué, autant plus que même le balkanisateur a commencé maintenant à séduire bah, député. Il y a Tshilombo. Et ce sont ces députés-là qui disaient à Tshilombo, non, Tikakaka, Armin Kota. Il y a deux députés, et pas le moindre. Oh, Bleka qui n'a pas dit à Koyeb, c'est que non, nous avions réclamé que le président de la République a signé Kaka, Nani, Armée Ougandaise et Kote Panabiso. Ça pouvait se faire d'une façon régulière et à Kolobake. Non, ok, qu'est-ce que vous venez faire? Où est l'ennemi? Parce que l'Ougandais même qui est entré, il ne connaît même pas ses ADF. Ayebi Bangote, au co-différencier Bangone. Nous avions dit que pour que tout ici ça et Ezali Kambo Amando quitte Ezali Kambo administration, il faut qu'il y ait une identification absolument. Nakatia Bazonwana, Toyeba Nanyazo Salanini. Récupération et autorité à l'État, il faut ça. C'est ça qui nous manque à l'Est de la République démocratique du Congo. L'État n'est pas autoritaire. L'autorité de l'État n'existe pas. Il y a trop de corruption. Beaucoup de gens profitent de cette situation-là pour s'enrichir. Pour pas s'enrichir. Et bien, toi, Bazawapi, Bazana Kinshasa. La plupart, ce ne sont pas les Nandes. La plupart, ce ne sont pas les députés que vous dites que non, bah, député, banane, tout bazana, bah, tout armé. Non, c'est la force, c'est l'armée. Nakatia, armée, wana. Et ça, n'a pas Rwandais, et ça, n'a pas tu as Est, il y a Ouest. Et je vous dis que Nakatia, balkanisation, oh, na yemisibino kaka. Si l'armée ougandaise peut restaurer une paix durable là-bas, le peuple nandé, le peuple de l'Est, du Nord et du Sud, Kivu, même na côté Ituri kuna, ils accepteront parce que nous allons voir que bato baza na Kinshasa baza ba aventuriers. Et ce qui nous met dans tous ces pétrins, ce sont ces aventuriers, les Balouba et tous ces peuples-là de l'Est. Tokobandaka koinanaka malembe malembe, 10 jours tokolobate, au moins ta barwande o baso ya awa, batonge li biso balabala, batiki biso tosala, ba commerce na biso malamu. Tokomi na kimia masa sebeta kalisusu te, makamu nyoso komi bien, lete komi ko sala, ba passeport na biso sale ma bien, soko sali, autorité a lete zali. Le petit pays comme le Rwanda, même l'Ouganda, l'autorité à l'État Zali Kuna. C'est pénible. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc aussi le Selawana Lelo, mais aussi le sujet en moté. État de siège, état échec. Malheur au président Tshisekedi. Malheur au président Tshisekedi. Félix, malheur est et pas na yo parce que balkanisation est comme na règne na yo. Est malheur. Alors, nous demandons toujours aux gens de vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés au Balanga Abisso, bon, mais qu'à vous abonner vraiment. Donnez-nous, faites-nous quand même ce plaisir-là de vous abonner parce que nous avons besoin de vos abonnements. Tous en a besoin, c'est que pour partager ma émission, pour tika ba j'aime, pour s'abonner, surtout ça, abonnez-vous, j'insiste encore. Si vous nous aimez vraiment, abonnez-vous. Abonnement de Pesakabiso courage. Oui, partager c'est bien, laissez les j'aime, mais le plus important c'est vous abonner. Et quand vous vous abonnez, vous pouvez aussi, n'oubliez pas de clocher, de tiquer sur la cloche pour que vous soyez averti lorsque nous mettons les nouvelles émissions. Ils ont manqué biso abonnement à Bino Bandeko. Vous aviez remarqué que nous sommes vraiment avec un ton de Yamabe, donc tout ça indigné. Le peuple congolais est indigné. Moi-même, je suis indigné. Mais je sais que le peuple vaincra. Mais convaincre que Zala Tokabwani. L'Est est aventuré, batikali na mboka na bangoum soussou, batoua ya solo, batoua ya boanya, bat dirige bisokasi. Ça profitera peut-être au peuple de l'Est. Et c'est ça qu'on commence à nous faire croire. Ti batoua moussous, batouaka ko dominé, batouaka ko imposé pe wana. Passe. Inchi na yenda bandou. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.